5. Et 4. Tout le monde, regarde le tableau. Oui. Aujourd'hui, je vais raconter une de mes histoires préférées. Moi, j'adore cette histoire. J'adore cette histoire. C'est une histoire très spéciale. C'est l'histoire d'une petite fille et elle n'est pas née aux États-Unis. Elle n'est pas née aux États-Unis. Oui, je vais expliquer. Elle n'est pas née. Elle n'est pas née aux États-Unis, ici aux États-Unis. Elle n'est pas née en France. Elle n'est pas née aux États-Unis. Elle n'est pas née en France. Où est-ce qu'elle est née? Elle est née en Corée. Elle est née en Corée. Elle est née en Corée. Mais ses parents ont immigré. Ses parents ont immigré aux États-Unis. Ses parents ont immigré aux États-Unis. Et la petite fille s'appelle Unhe. Elle s'appelle Unhe. Unhe, c'est son prénom. Son prénom. Mon prénom, à moi, c'est Cécile. Et ton prénom, c'est Caroline. Et ton prénom, c'est Megan. Oui. Et ton prénom, c'est Lydia. Oui. Son prénom, c'est Unhe. Et aujourd'hui, Unhe va à l'école américaine pour la première fois. C'est la première fois que Unhe va à l'école américaine. Alors Unhe a un peu peur. Oui. Elle a un peu peur. Elle se sent un peu effrayée parce que c'est la première fois qu'elle va à l'école américaine. Et dans le bus, ça c'est le bus pour aller à l'école, dans le bus, les enfants demandent à Unhe, ils lui demandent, oh, comment tu t'appelles? Tu es nouvelle. Comment tu t'appelles? Et Unhe dit, je m'appelle Unhe. Les enfants se moquent. Ils se moquent de son prénom. Et ils disent, Unhe, you hey you, goodbye. Et il rit. Il rit. Il se moque de son prénom.
Audrey se sent un peu triste. Elle se sent un peu triste, oui. Et elle arrive à l'école. Ça, c'est l'école. Elle arrive à l'école pour la première fois à l'école américaine. Et elle entre dans l'école. Et elle entre dans la salle de classe. La salle de classe. Ça, c'est la salle de classe. La salle de classe, oui. Elle entre dans la salle de classe et il y a un petit garçon qui s'appelle Joey. C'est un petit garçon. Et Joey dit, oh, tu es nouvelle, tu es nouvelle. Et il prend la main de Unhei. Il prend sa main, il prend sa main et il annonce tout le monde, elle est nouvelle. Et tout le monde demande, comment tu t'appelles? Unhei hésite. Elle hésite. Pourquoi est-ce que Unhei hésite? Parce que elle a peur. Elle a peur que les enfants se moquent de son prénom. Alors, elle dit, je n'ai pas encore choisi de prénom. Je n'ai pas encore choisi de prénom. I have not yet chosen a first name. Je n'ai pas encore choisi de prénom. Après l'école, Unhei rentre à la maison. Elle rentre à la maison et elle dit à sa maman, maman, je veux changer de prénom. Je ne veux pas m'appeler Unhei. Je veux changer de prénom, maman. La maman dit, Unhei, ton prénom est magnifique. Ton prénom est magnifique. Et ton prénom veut dire, means, ton prénom veut dire grâce. Ton prénom veut dire, means, grâce. Ton prénom est magnifique. Et la maman et Unhei vont au magasin. Elles vont au magasin coréen. Au magasin coréen. Elles vont au magasin coréen. Pourquoi est-ce qu'elles vont au magasin coréen? Pour acheter des ingrédients pour préparer du kimchi. Le kimchi, c'est un plat traditionnel, un plat traditionnel. Tu connais le kimchi? Tu as mangé le kimchi? C'est très épicé, oui. Épicé. Mm-hmm. Le kimchi, c'est un plat traditionnel coréen. Et Unhei et la maman achètent les ingrédients pour préparer le kimchi. Et dans le magasin, il y a un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur Kim.
Monsieur Kim est coréen. Il est coréen. Et Monsieur Kim dit, oh, tu es nouvelle. Comment tu t'appelles? Et Eun-hae répond, je m'appelle Eun-hae. Et Monsieur Kim dit, Eun-hae, c'est un prénom magnifique. Oui. Et ça veut dire, it means, veut dire, means, grâce. Et Monsieur Kim sourit. Il sourit à Eun-hae. Il lui sourit. He smiles to her. Il lui sourit. Oui. Le lendemain, Eun-hae va à l'école et elle voit sur le bureau, sur son bureau, sur son bureau, Eun-hae voit un bocal. Un bocal is a jar. Elle voit un bocal. Et dans le bocal, il y a des bouts de papier. Il y a des bouts de papier. Little bits of paper. Des bouts de papier. Et sur le papier, il y a des prénoms. Il y a des prénoms. Eun-hae prend un bout de papier et elle lit et il y a écrit Colette. Colette. Joey dit à Eun-hae, tout le monde va t'aider à choisir. Tout le monde va t'aider, help you to choose. Tout le monde va t'aider à choisir un prénom. Oui. Alors moi, j'ai écrit Colette. Eun-hae prend un autre bout de papier et elle lit le bout de papier. Et il y a écrit mercredi. Mercredi. Ouais. Mercredi. Ouais. Elle dit mercredi. Et une fille dit, oui, j'ai écrit mercredi parce que tu es arrivée à l'école un mercredi. Oui. Tu es arrivé à l'école mercredi. Alors, ton prénom c'est mercredi. Oui. Eun-hae sourit. Elle se sent heureuse que les enfants à l'école veulent l'aider à choisir un prénom. Et après l'école, elle va avec sa maman au magasin coréen. Elle va au magasin coréen et elle voit Monsieur Kim. Et Monsieur Kim dit, bonjour Eun-hae, bonjour. Mais dans le magasin, il y a Joey. Il y a Joey dans le magasin et Joey entend, il entend Eun-hae. Joey regarde Eun-hae et il dit, tu t'appelles Eun-hae? Eun-hae hésite. Elle hésite et elle dit, oui, je m'appelle Eun-hae. Le garçon dit, Eun-hae. Eun-hae dit, oui, ça se prononce,
ça se prononce. Ça se prononce. Unhe. Et le garçon répète. Unhe. Oui, unhe. Et elle dit oui, unhe. Le lendemain, Unhe va à l'école et sur son bureau, le bocal a disparu. Le bocal a disparu. Il n'y a plus de bocal. Mais il y a un bout de papier. Un petit bout de papier. Et sur le papier, il y a un prénom. Juste un. Unhe prend le bout de papier et elle lit. Et elle sourit. Et elle dit à tout le monde, je m'appelle Unhe. Et tous les enfants répètent. Unhe? Oui, je m'appelle Unhe. Ça se prononce Unhe. C'est un prénom de Corée. C'est un prénom magnifique. Et c'est un prénom qui veut dire grâce. Et tous les enfants répètent Unhe. Oui, Unhe. Et c'est la fin de l'histoire.